Salut tout le monde, retour de la carrière Dirt 4, on continue et on termine avec l'ultime championnat de rallycross qui va vous attendre dans cette carrière, le championnat du monde, ça y est, la finale, on y est, les 6 circuits, les 6 courses avec des conditions dangerous pour l'Angleterre, la France et la Norvège, on va se marrer je pense avec la Ford Focus de chez Monster Racing que l'on a eu en prêt, on va dire, pour le MLP Motorsport, on va dire ça comme ça. Donc on est parti pour vivre donc 3 courses, il y en a 6 mais il y a des divisions. Donc chaque fois, Montalegre, Leidenhill, Hell, Heuliez et Loeac. Voilà donc la finale de cette consécration ultime qu'est le Rallycross, le championnat du monde RX. Allez, c'est parti, on part tout de suite sur la première manche, on va sans doute avoir droit. Voilà au plus grand circuit à chaque fois puisque c'est la manche de championnat du monde. Il y a donc 5 épreuves au total dans ce championnat. La première donc sur le circuit d'un kilomètre ici à Montalegre, sur le sec, et il fait partiellement nuageux malgré tout. On va voir comment notre Ford Focus va s'en sortir face à ses adversaires. C'est parti donc pour la grande finale de la catégorie Rallycross sur Dirt 4. Montalegre nous accueille avec donc la Q1, les éliminatoires avec les sponsors qui sont pour l'instant assez contents de notre travail. On est donc dans la troisième division avec une Seat, une Mini et une Volkswagen. Ça devrait aller pour s'en sortir. Oh, et on est tassé par la Mini à même le départ. La Seat aussi a pris son Joker Lap. Et on est 2 sur 4 à être passé par l'extérieur du premier virage. On doit donc se concentrer sur ce qui se passe avec la Seat. On a beaucoup plus de mal à transférer les charges. La voiture est beaucoup plus grosse. Et la Seat doit repasser. Je peux rien faire. Ouais, j'arrive pas à la mettre en virage. Pour une autre seconde pour gagner du terrain. Mets la gomme. Allez, ce sous-virage incroyable sur cette Ford Focus. Alors que là, on vient de percer le radiateur avec ses sorties de piste intempestives. On doit travailler énormément avec le frein à main pour faire tourner l'arrière. Et quand bien même... On devrait terminer à la deuxième place une fois que tous les pilotes auront pris leur joker. C'est chaud, c'est très très chaud avec la Mini. Oh, et la Seat qui s'est loupée. Ça peut être sans doute notre chance. On va entamer le quatrième et dernier tour. Les commissaires analysent ton virage coupé pour savoir si t'en as profité ou non. Tu pourrais recevoir une pénalité. Reste deuxième. Ouais, dans la terre, la Focus est vraiment pas à l'aise. Beaucoup, beaucoup de mal à braquer sur les parties en terre. On va faire deuxième de cette course qualif, mais c'était pas simple du tout hein. J'ai vraiment du mal. Les commissaires ont décidé de pas te sanctionner pour avoir coupé les virages.
Alors, on n'est pas sanctionné, mais c'était très très compliqué. Et on est pour l'instant donc troisième de cette Q1 avec 42 points. La Q2 maintenant dans cette deuxième séance avec au programme de belles bagarres. Hop, on est déjà touché. À peine le départ, on est touché. Dans le tour de joker, on percute la mini. Que l'on ressaute à la sortie. Joli le croisement avec la mini. On est obligé de tout faire au frein à main. Dans ce genre de conditions, on doit placer absolument la voiture au frein à main dans tous les virages, quasiment. Hop là. Je vois que le reste aura pris son joker, je pense qu'on se passera pour la deuxième place. Deuxième tour un peu plus calme, on voit au moins où on va. Fait relatif, c'est-à-dire qu'on voit où on va. On est allé prendre quelques îlots, ça on peut pas faire autrement. Allez, on se bat avec les garçons devant qui n'ont pas encore pris leur tour joker, donc c'est très très bon. Eh, c'est tout au câble hein, là. On voyait pas avec la fumée. J'étais trop optimiste. Allez, ça va sûrement prendre son joker. C'est le dernier tour. Les deux vont devoir y aller. C'est là qu'on doit montrer qu'on est plus rapide. On est en tête. Hop. Petit coup dans les îlots. Allez. Et quand on voit où on va, c'est plus simple. Victoire dans cette Q2. Hop, alors qu'on se fait rentrer dedans par la mini. Si on prend le classement des éliminatoires, on prend donc 50 points. Bon, et bien au résultat final après la Q2, nous voici donc avec 92 points devant René Munich. Plutôt pas mal donc pour le pilote de la Seat qu'on n'attendait pas à pareil fait avec 90 points. C'est maintenant la Q3 ici du côté de Montalegre. Allez, départ convaincant pour la mini du français Chichery. Nous, on va aller chercher tout de suite le Joker Lap. Comme ça, c'est fait. On est à l'intérieur. Et Chichery qui a fait pareil que nous. Il allait toucher Desplots. Devant, il reste René Munich et Christophe Ersson. Avec la Volkswagen. On est bien installé devant la mini, 5 secondes. Et on termine le premier tour. La troisième place en ce moment.
pas de tour joker pour les deux hommes de tête. On doit garder un œil sur René Munich, c'est lui. L'homme à surveiller. Allez, tout au frein à main pour placer cette focus. Un peu large ici. Il bat pour la deuxième place en ce moment. Ça va être compliqué hein, d'aller battre Christopherson. Oh, la voiture n'a pas braqué. La voiture n'a pas braqué, je vous le jure, j'ai pas été tout droit. Pour rien, j'ai essayé de la braquer, la placer, elle est pas du tout venue. Si on essaie de placer la voiture sans utiliser le frein à main, ça ne sert à rien. Oh là là, mais c'est pas possible, on voit rien. Quand le reste aura pris son joker, je pense qu'on se battra pour la deuxième place. Ça s'annonce oh, de la sortie du joker. Ça y est, Christopherson qui a quand même pris son tour joker, ça va. On est deuxième devant René Munich, on est bien installé. On va voir clair, mais Christopherson qui va sans doute s'imposer dans cette Q3. Allez. Allez. Elle a du mal. Qu'est-ce qu'elle a du mal. Dans les parties en terre, cette focus, c'est terrible. Mais on va quand même protéger et terminer deuxième. Oh, c'était un calvaire ce dernier secteur. Joli, ça me va. Un point d'avance face à Christopherson juste avant la dernière partie, la Q4 donc. C'est rouge. Allez, le départ de la Q4, on est déjà poussé à même le départ. Alors qu'on est face à une Fiesta qui a sans doute fait un tonneau, là. Hein. Hop, 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 hop. Ah, on vient de la sauver. In extremis, celle-là. Pour le même prix, on était dans le mur. J'ai lancé la voiture beaucoup trop tôt. Le rail. Il bat pour la deuxième place en ce moment. Ah, il faut aller chercher absolument. Ah là, c'est ma chance de voir la Fiesta bloquée. Oh non! Les deux pilotes qui n'ont pas pris leur joker qui sont bloqués en bagarre. Et la Fiesta qui passe. Il faut absolument ouvrir la porte. Attention, Christopherson qui est en difficulté avec la Volkswagen. C'est contre lui qu'on se bat également. Au général, Nitis derrière avec la Seat qui est allé toucher Christopherson en deuxième, dans la fin du deuxième tour. Christopherson n'a toujours pas pris son joker. Et il n'y va toujours pas et on le touche. Contact avec Christopherson. Et Nitis qui l'a pris dans ce troisième tour. Et à cause de Christopherson, on ne pourra pas la gagner, je pense, cette Q4. Christopherson qui est trop proche. Et surtout, la Fiesta de tête de Bomanis qui est parti beaucoup trop au large. Voilà. Allez, on est deuxième, bien installé. Et pour aller chercher la tête, ce serait un petit peu fou. Sur virage, pas forcément volontaire. Celui-là, oui, je vous rassure. Allez, on peut y arriver. Dernier S. Ouais, on est P2.
Belle course, tu t'en es sorti à merveille. Alors donc, on est à 174 points, du coup, à l'issue des 4 séances. Donc on est qualifié, on fait partie des premiers. Il y a même Sébastien Loeb qui n'est pas parmi nous. Donc il y en a 12 sur les 16 qui passent. Et voilà donc maintenant la phase classique de cette première manche avec la demi-finale donc. Et on va pouvoir se placer ensuite, on l'espère, en finale. C'est parti. On a pris un excellent envol dans cette demi-finale. Et on va donc tout de suite aller chercher le Joker Lap. Et je crois qu'on est le seul avec Nitis à être passé par là. Non, je suis le seul. Je suis le seul à avoir opté pour le Joker Lap dès le premier passage. De quoi me permettre de revenir sur un paquet qui va se battre. On voit Nitis, on voit que c'est chaud. Tout le monde devant. Visibilité moyenne. Comme toujours, il faut bien que je souffre quelque part. Oh là là, ça va se mettre dans le mur. Timer Zianov qui est dans le mur. Alors que ça coupe du côté de Nitis. On est derrière René Munich. Maintenant, c'est Baumé qui est en tête. Ah, la demi-finale qui, pour l'instant, tient toutes ses promesses. C'est chaud. Des stratégies différentes. De nouveau portière ouverte du côté de la SEAT de l'Allemand, René Munich. On a frôlé les rails. On devrait terminer à la troisième place une fois que tous les pilotes auront pris leur joker. Allez, on devrait être troisième. On voit Hansen devant avec René Munich qui est complètement chaud, bouillant avec la Seat. Hansen qui est pas ouf avec la 208 là. Oh, et attention, contact pour René Munich. Munich qui est allé toucher le rail. On va lui faire l'intérieur avec la Seat. Oh, il pousse, René. Ben, on sent l'expérience hein, de l'Allemand. Et on se retrouve troisième en étant premier pilote à avoir marqué notre tour Joker devant Nitis. Oh, la paire. Où est René Munich? On peut revenir en piste. Il faut pas que Nitis passe. Bon, je suis complètement perdu là dans le rythme des chicanes avec la taille de la Focus. On peut rien faire de mieux. Attention, contact avec la voiture de René Munich en difficulté. Les deux Seat qui se battent hein, au sein de l'équipe René Munich. Allez, trop d'angle. On n'en a pas eu pendant toutes les phases de qualif. Maintenant, la voiture chasse comme c'est pas permis. À n'y rien comprendre. Toujours derrière Hansen et Baumé. Baumanis, pardon. Je dis Baumé depuis tout à l'heure. Non, Baumanis. Pourquoi j'ai dit Baumé? Je ne sais pas. Même, je pense, avec les Joker Lap, ils sont trop en avance sur nous. Il bat pour la troisième place en ce moment. Ah ouais, ça va pas être suffisant. Loin de là. On sera troisième. Voilà. Hansen qui ressort avec une 208 complètement détruite. De son Joker Lap, sixième et dernière boucle dans cette demi-finale. Et on va être qualifié in extremis avec la troisième position à l'issue de cette ultime phase avant la finale. Et bien, si on devra en gagner une, ce sera la prochaine. On n'aura pas le choix pour aller marquer les points de la victoire au classement. Voilà la ligne d'arrivée dans cette demi-finale ici. Très très chaude. Tu peux être fier de toi, c'est bien joué. Place donc à la finale avec les 6 meilleurs pilotes dont on fait heureusement partie dans cette première manche. On va voir ce que ça donne donc avec la volonté bien sûr de gagner face à nos adversaires et avec la volonté également de faire plaisir
au sponsor. C'est parti. Ça touche déjà. Nous, on va tout de suite aller chercher le tour joker. On n'est pas le seul. On y est allé aussi du côté de la fiesta de Beaumanis. On plonge pour essayer d'aller choper Beaumanis. On est passé face à la fiesta. Oh, hop. Et contact avec le rail à gauche et à droite, comme ça, pas de jaloux. Une fois que tous les pilotes ont repris leur joker. Ça ressort derrière pour l'instant. On est vraiment pas mal. Faut juste pas avoir peur d'aller attaquer. Cette voiture pouvait tourner, bon sang! J'ai rien dans la direction! Ah! Une fois que le reste est en joker, je pense qu'on se battra pour la troisième place. C'est chaud derrière avec Hansen. Je peux pas aller rechercher les autres devant, je peux pas. J'ai tellement de mal, mais j'ai tellement de mal avec ce train avant. J'ai beau braquer, des fois ça veut pas. On devrait terminer à la troisième place une fois que tous les pilotes auront pris leur joker. Sébastien Loeb qui est passé. Ressorti de son joker lap juste devant nous. On n'a rien à dire ou rien à faire avec la voiture. Tu te bats pour la troisième place en ce moment. On ne fera pas mieux, je crois. Je comprends pas honnêtement. Non, y a rien à faire, je peux pas la récupérer. Je récupère jamais le grip comme je veux. Troisième place une fois que tous les pilotes auront pris leur joker. C'est atroce. Oh là là. On est troisième, évidemment, Loeb et Christophe devant vont se battre, mais... Ah bah bravo Levo. Là franchement, je ne peux rien faire de plus. Et encore, on a eu beaucoup de mal à transférer les charges et on fait P3, mais franchement, très déçu. Très déçu de la voiture. Et à la fin de cette première épreuve difficile, on est troisième du classement derrière Sébastien Loeb et Christopherson. Mais ça a été compliqué. Évidemment, certains sponsors ne sont pas contents. Mais bon, on prend quand même 95 000 crédits dans l'aventure. Le niveau 34 également. Eh bien, on se retrouvera pour la deuxième épreuve en Angleterre à Leyden Hill. Ça devrait se passer peut-être un peu mieux pour nous avec la puissance de la Ford, mais sur un circuit comme Montalegre, c'était assez compliqué. On a pas mal malheureusement coupé, la voiture était inconduisible, le train avant était nulle part. Bref, on devrait avoir plus de chance sur les trois prochaines épreuves avant l'OEAC.
Je vous remercie pour votre fidélité à cette série. On continuera le championnat du monde RX la prochaine fois. Merci à tous et à la prochaine. Salut.